travailler toujours, hein, H24. Je voulais faire un témoignage du Kong Stalking, le règne de la Stasi. Les gouvernements occidentaux, ils ont toujours fait des expériences sur des corps-cobayes humains qui sont leur consentement. Et comme par hasard, maintenant on est en 2018, il n'y a plus d'expérience sur ça, sur les humains, ça n'existe plus ça, non. Ça n'a jamais existé. Bien sûr, ça a toujours existé. Depuis le Gestapo, la Stasi, MK Ultra, Quantel Pro, et j'en passe. Les Occidentaux, ils ont toujours fait des expériences. Les services secrets occidentaux, ils ont toujours fait des expériences sur des cobayes humains. Et l'histoire le prouve. Ça, c'est pas moi qui l'invente. MK Ultra, c'est pas moi qui l'invente. Ces pervers narcissiques, ces psychopathes, ils ont été toujours obsédés par le contrôle humain et par les expériences humaines. Vous voyez? Et aujourd'hui, en 2018, il y a un phénomène qui se propage de plus en plus et qu'on appelle le Kong Stalking. C'est un harcèlement en réseau. Vous voyez? Comme là, par exemple, moi, je suis à Levallois. Je connais Levallois depuis 2007. Vous voyez, ça a été toujours paisible. Il n'y a jamais eu autant de travaux, il n'y a jamais eu ça, il n'y a jamais eu des jeunes. Regardez, hein, où ils viennent, ils squattent là, même H24. Hein, ils vont pas, là, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo, je l'ai fait descendre sur mon compte. Là encore, vous voyez, à l'heure qu'il est, il y a toujours des indices. Regardez celui-là qui rentre. Et moi, comme moi, là, ils n'ont pas de chance. Parce qu'ils veulent me manipuler, me faire croire que c'est normal. Mais ils n'ont pas de chance. Ils sont tombés sur quelqu'un qui connaît bien Levallois. Vous voyez? Et avant Levallois, c'était un quartier calme, paisible. Il n'y avait ni des squatteurs, ni des jeunes qui squattent. Ici, c'est pas comme les autres quartiers. C'est pas comme les autres quartiers populaires. Ici, c'est un quartier calme. Il n'y a pas d'enfants qui jouent. Il n'y a pas de... Si, peut-être dans les parcs, un peu, vous voyez? Mais il y a des terrains, il y a des parcs, il n'y a pas de jeunes que comme dans les cités où ça squatte et tout, tu vois. Et Levallois, c'était un quartier paisible, calme, vous voyez, et d'un seul coup, tout change, vous voyez, comme les poubelles, là. Regardez les poubelles. D'habitude, en temps normal, ils la sortent comme ça, chaque poubelle, chaque rentrée, ils sortent devant la poubelle, comme ça, les poubelles. Vous voyez, et après le camion il passe là au milieu, il ramasse tout. Maintenant il ramène toutes les poubelles là ici juste pour foutre le bordel, vous voyez, et pour qu'ils bloquent comme ça la route. À un moment ils se mettent tous à klaxonner, et des fois ils se mettent pas à klaxonner, mais bref, c'est pour foutre le bordel et pour vous voyez. Et d'un seul coup, des centaines et des centaines de milliers de gens de toute race, de tout âge, de tout sexe, qui viennent ici à Levallois, vous voyez. Et tous ces gens-là, moi je sais, je suis sûr à 300% qu'ils ne sont pas ici. C'est indiscutable, vous voyez. C'est indiscutable. Comme par hasard, c'est bon, maintenant ils se sont mis H24, 3-8, vous voyez, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12. Des travaux, des sirènes, des avions. Ici, c'est de... Avant, j'ai jamais entendu un avion passer par là. Maintenant, c'est devenu tout le temps les avions, ils passent. Vous voyez, j'ai jamais entendu des sirènes ici à Levallois. C'est devenu des sirènes tout le temps. Vous voyez, j'ai entendu en un an des sirènes plus que j'ai entendu en toute ma vie. En toute ma vie, j'ai vu. Regardez, regardez. C'est toujours la même chose, hein. Ils allument la lumière, ils viennent, ils sortent, ils font semblant, on leur donne accès aux immeubles, ils font semblant d'être de Levallois. Regardez les deux indiques là aussi, hein. Vous voyez, ils n'ont pas de chance,
voyez, parce qu'ils essayent de faire tout, de faire passer ça pour un truc normal que c'est moi qui imagine, voyez. Voyez, regardez, regardez, c'est toujours comme ça. Hein. C'est toujours comme ça, on se croit. Les mecs, ils le prennent sens contraire, on se croit à Grigny ici, ou Clichy-Montfermé, ou. Vous voyez? Comme lui là, qu'on voit là, dans l'appartement. Vous voyez? Là, je me mets, ils se mettent tous à la fenêtre pour dire, regarde. Vous voyez? Ils se mettent tous dans la même. Ils font toujours la même chose, le mimétisme. Quand je me mets moi à la fenêtre, ils se mettent tous à la fenêtre. Ou des fois aussi pour se faire passer pour des gens d'ici. Vous voyez, là, je suis sorti fumer moi aussi. Mimétisme, n'est-ce pas? Et celui-là, je vous jure, là, qu'on voit là, il est avec une chemise bleue. Je vous jure, il n'est pas d'ici de Levallois. Et cet appartement, il est vide. Il est habité depuis même pas un an maintenant par des harceleurs. À tour de rôle, il est utilisé, vous voyez. Il est utilisé par les indiques, quoi. On leur donne accès, comme je vous ai dit, on leur donne accès aux immeubles, aux appartements. Ils se font passer pour des gens d'ici. Et chaque jour, c'est comme ça. Hein. Regardez, hey, mais je vous jure, Levallois, ça n'a jamais été comme ça. Tous ces gens-là, moi, je ne l'ai jamais vu depuis 2007. J'ai jamais vu ces gens-là. Ces gens-là, moi, je le confirme, ils ne sont pas d'ici de Levallois. Vous voyez, tous ces gens-là ne sont pas de Levallois, comme le groupe là-bas, là. Vous voyez, groupe d'indic. Et comme celui qui. Et comme toujours, ils font Zama la bise, tout ça. Tu vois, ils mettent un groupe d'indic par là. Après, tu as les indics qui commencent à sortir de partout. Et ils passent, ils font semblant, Zama, ils les connaissent. Salut, salut, Zama, ouais, blablabla, bla, bla, vous voyez? Ils me regardent là, ils savent que je les filme. On les a envoyé un message là, on leur a dit, ils vous filment. Ils se sont tournés direct vers moi. Vous voyez, ils savent, hein? Ils savent. Ils savent, ils sont ici pourquoi. Ils savent. Regardez là, l'hélicoptère. Comme ça, H24 à tour de rôle. Regardez. Regardez les PD. Ils me regardent. Regardez, ils font semblant de parler à côté. Tu parles à moi? Voyez, le cinéma, les PD indiquent. Que du cinéma. Voyez, parce qu'ils savent que je filme. Ils savent que je filme. C'est PD. Que du cinéma. Que du cinéma. Ils leur ont dit qu'ils filment, voyez? Ils ont dit que je filme. Ouais. Les PD. Ouais. Les PD Warrior. Les indiques du quartier. Ouais. Moi, je fais des vidéos, j'ai même pas des vues. Ils sont là, ils font du cinéma, alors que moi, les mecs, ils sont même pas d'ici. Vous voyez? Ils sont même pas d'ici, ils viennent l'ouvrir. Ah, les PD, là, Warrior.
Et que du cinéma. Que du cinéma. Voilà, je descends avec un tournevis, je les nique tous leur mère. Regardez, que des indiques. Ils sont là, ils font du cinéma. Ces PD là. Que du cinéma. Vous voyez? Ils sont même pas de là, de le Valois, ils viennent là, ils les ouvrent. Ils l'ouvrent. Niquez vos mères, moi je filme. Et qu'un fils de pute, il vient me parler. Quand je suis dehors, qu'ils viennent. Voilà, qu'ils viennent. Vous voyez, ils indiquent là. Je filme, j'ai même pas de nombre de vues. Mais on leur a dit, tu vois, ils surveillent Internet, tout ça. Vous voyez, tout est lié. Hein. Tout à l'heure, j'ai fait descendre une vidéo. J'ai même pas. C'est encore zéro vue. Vous voyez? Et ils font du cinéma, Zama, ouais, blablabla, blablabla. Que ça l'ouvre. Vous voyez? Moi, je filme, niquez vos mères. Moi, je suis chez moi. Je filme. Je m'en bats les couilles. C'est tous des PD. Vous voyez? Gang stalking, les indiques. Ils savent que je filme et je fais sur Internet. Ils ragent. Ils ragent. Tout à l'heure, ils ont... ça a commencé par les voisins. Ils commençaient à cogner, à cogner, à cogner, à cogner. Et là, ils leur ont dit que je filme tout ça. Je suis sorti à peine. Ils se sont commencés tous à se tourner vers moi et à insulter, à dire « Ouais, tu filmes, nanani. » Comment ils savent? Comment ils savent, vous voyez? C'est des indiques, des tapins. Vous voyez, des tapins payés pour venir foutre le bordel. Et là, on leur a dit « Ouais, vous voyez, ils croient que moi, je vais me priver de filmer. Je filme. Ils ont rien à faire ici. Je filme. Qu'ils aient niqué tous leur mère. Pourquoi ils ont un truc à se reprocher? Pourquoi ils ont un truc? Pourquoi ils se cachent? Ils ont un truc à se reprocher. Moi, je filme. Et depuis longtemps, je filme. Ils le savent. Pourquoi maintenant, ils font du cinéma, Zam? Pourquoi là, ils font des cinémas? Vous voyez? Vous voyez, quand je vous dis là, gang stalking, des centaines d'indiques. Et celui-là, là, qui l'ouvre, là, ouais, je vais te faire, je vais ci, je vais niquer, nanani. Au début, il fait semblant de regarder là-bas comme s'il ne sait pas, vous voyez. Après, il parle, il l'ouvre. Alors que l'été passé, il était là, il m'a dit, ouais, il a dit, ouais, c'était pas content, on t'appelle les flics. Bande d'indiques. Tu m'appelles les flics et maintenant parce que vous êtes en groupe là, vous commencez à faire les shows. Moi je suis là, hein. Il n'y a pas de souci. C'est celui qui se croit immortel qui vient. C'est tout. Hein. Vous voyez, des indiques de quartier, on les envoie faire du cinéma. Vous voyez? Alors que pourquoi c'est pas interdit hein, de filmer. Pourquoi je filme pas, je suis chez moi, je filme, c'est mon quartier, j'habite ici, ils ont rien à faire ici. Attends, je te nique ta mère, fils de... Attends, je te nique ta mère, fils de... Indique de merde. Indique de merde. Et toi, qu'avec des baffes, qu'avec comme ça, c'est tout. Toi, que comme ça. T'es BD. Regardez comment il me provoque. Vous voyez?
Ne va pas pleurer après. Hein. Tiens. Vous voyez, maintenant, vous voyez, c'est des menaces. Vous voyez, les indiques. Viens. Vous voyez les indiques là? Vous voyez les indiques? Et les gens, ils sont témoins. Regardez. Il y a lui là, le gros là, il est témoin. Les autres, ils sont témoins. Et voilà, ils sont témoins. Tout le monde est témoin. Vous voyez? Insultes, menaces. Un petit branleur comme ça. Je le mets une claque, voilà, je l'envoie en enfer. Regardez les petits pisseaux là. Vas-y, je vais te mettre une baffe, tu vas crever. Que ils sont même pas d'essayer de le valoir, il me dit pourquoi tu filmes, je fais ce que je veux, pourquoi je dois me justifier, je suis chez moi, je suis d'ici, je fais ce que je veux, c'est pas interdit de filmer. Ouais, c'est toujours le même cinéma. Je suis avec un portable. Comment ils savent que je filme? C'est pas des indices qui sont liés direct au stalker, hein? Si c'est pas des indices qui sont liés direct au gang stalking, vous voyez? Tout à l'heure j'ai filmé une vidéo, ça m'a même pas fait un seul vue, vous voyez? Et de tous les vidéos, des millions de vidéos qui sont descendues sur vous voyez, sur internet, comment ils ont vu la mienne? Tout ça prouve tout, hein. Prouve la surveillance H24, prouve le gang stalking, prouve l'harcèlement en réseau, prouve tout, hein. Vous voyez, ça prouve exactement ce que je dis. Tout à l'heure j'ai descendu une vidéo, ça a même pas fait zéro vue, c'est toujours zéro vue, aucune vue, et même ça fait 50 vues. Avec tous les milliers de vidéos qui descendent sur internet, impossible qu'ils tombent sur la mienne, impossible. Vous voyez? Sauf si c'est la connexion est piratée. C'est la connexion qui est piratée. Hein. Connexion qui a piraté, ils leur ont dit, oui.
Les stalkers, ils ont dit aux indiques, oui, il est en train de vous filmer, mais mettez-lui la pression, tout ça. Vous voyez, insultes, menaces, nanani, t'es mort, vous voyez. Moi, ils me font rigoler, tu vois. Ce petit pisseur-là, voilà, ce petit PD-là, je le mets une baffe. Et il a dit, il vient. Vous voyez, regardez. Quand ils sont partis, tout ça, là maintenant les flics, jamais ils font leur travail. Ils sont pas venus tout à l'heure. Bref, il a dit je viens, il a insulté, vous voyez, hein? Vous voyez, j'invente rien. Et qui vient? Si c'est un homme, il vient. Et ils vont voir de toute façon cette vidéo. Si c'est un homme, il vient. Même s'il ramène une calache, je vais le mettre tellement profond dans le cul. Il va voir. Ces petits PD là. Vite ma mère qui vient. Regardez, il est en train de me regarder là. Ce petit branleur. Il me dit pourquoi tu filmes. Comment il sait que je filme? Vous voyez, comment il sait que je filme si ce n'est pas les harceleurs dans l'entourage, leur maître qui les téléguide et qui pirate la connexion. Et c'est eux, ils savent ce que je fais. Vous voyez? Moi je filme, je m'en fous. Wallah, je m'en fous. Je vais filmer tout le temps. Et qui viennent me parler. Qui viennent me parler, c'est tout. Qui viennent me parler, s'ils sont des hommes. Et crois-moi, j'ai le double de son âge, je vais descendre pour un gamin qui sont là, blablabla. Viens! Qui monte, il vient et il va voir. Vide ma mère, il va voir. C'est tout. Celui qui est un bonhomme, qui peut, voyez, qui vient. Il vient, il dit, moi, j'ai un problème avec toi, on va le régler. On n'y va que moi et lui, on le réglera. Ouais. Regardez. Viens, toi, viens. 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 Tu n'es rien. Voyez? Le gars, il a 14 piges, il fait le tueur. Vous voyez? Il a 14 piges, il fait le tueur. Tu vois? Il a 14 piges, il fait le tueur, il fait Highlander. Il habite pas ici à Levallois. C'est un pisseau. Le mec, il a 40 piges. Vite ma mère, je le mets une baffe.